Salut à tous, petit point crypto vu la nuit. J'ai envie de dire, ça y est, on y est. Et on est où? On est sur le moment charnière de BTC. Je vais enlever juste l'indicateur pour qu'on y voit plus clair. Donc cette nuit on a fait cette énorme mèche, je vous rappelle les vidéos d'avant, vous voyez cette zone là, je peux la remplir pour qu'on la voit un peu mieux, voilà. Qui était en fait une confluence de niveaux clés donnés par l'indicateur Market Reader en H8 et en Daily, et qui correspondait à 1.618 d'extension FIBO de notre vague d'ici, éventuellement. Ok. Eh bien, on peut dire qu'elle a fait effet pile poil. On est venu 5116 sur Coinbase. Et là, on est déjà redescendu sous le niveau suivant, 4751. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ben, ça nous dit que Bitcoin est bienvenu dans la zone de TP. Vous voyez les signaux d'achat hein, sur RSI Reader en 4 heures. Signal d'achat ici. Signal d'achat ici, signal d'achat ici, signal d'achat ici, donc quasiment tous les bottoms. Ok. Là, on n'a pas de divergence, donc potentiellement on va retracer un peu et éventuellement aller chercher une divergence, même si ce n'est pas obligatoire. Hein. On peut très bien avoir fini ici en A, B, C ou en W, X, Y, c'est comme vous voulez. Ça dépend la tête qu'aura cette dernière vague ici. D'accord? En tout cas, on voit que le 1.618 d'extension de cette vague-là a été légèrement brisé. Voyez. Ce qui laisse à penser qu'on fait plutôt 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, pourquoi il a disparu, mon 1, 2, 3, 4, 5 là? Un truc comme ça. Alors le 1, on peut le mettre là ou là, hein, clairement. Mais bon. 2, 3, 4, 5. Pourquoi il a disparu? Hop, voilà. Ça, c'est très probablement un flat. Hein. Donc le 1 est plutôt là en fait. Mais quand vous avez cette tête là, touc touc, ça fait très flat. Hein. Donc ça, on peut virer. Hop. Et là, on fait un sous-décompte 1, 2, 3. Là, on a trouvé la 3, hein, je pense sans souci. Une grosse vague qui fait un plus haut sur le RSI. Là, on est en train de chercher la 4, à mon avis, dans cette zone-là. Ça, on verra plus tard. Et on ira éventuellement chercher une 5 un petit peu plus haut, à peine, quelque chose comme ça. Bon. En tout cas, si on reporte 1.618 de cette vague ici, d'accord, au bottom qui est là, ça nous amène sur cette zone bleue. Ici, ça, c'est plus d'actualité. Le trade a été fait et gagnant. Et on sait très bien que les ABC peuvent aller chercher 1.618 ou les IWXY, mais pas plus. Et là, vous voyez, bien sûr, on s'arrête pile dessus. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais sur le Discord. Hein. Sur les derniers jours, on voyait plein de posts Twitter comme ça, là. Voilà, en disant, ça y est, là, Bitcoin arrive sur sa résistance. Bitcoin est essoufflé, il diverge, le RSI, le stock RSI est en haut. C'est de la cave, c'est sûr. Non, 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 Bitcoin, il regarde pas les niveaux d'avant pour savoir ce qu'il faut faire. Tout marché obéit à un cycle. Il avait initié un cycle ici, cycle qui présentait un sous-cycle qui était là et qui avait démarré, dont la phase finale avait démarré ici, sur le signal d'achat là. Cette montée ici, cette petite zone que vous voyez, elle était en 5 sur le 15 minutes, signe du départ de ce mouvement-là. C'est d'ailleurs ici, parce que bon, j'ai glandé un peu, donc je regardais, je voyageais un peu, donc je ne regardais pas franchement régulièrement les charts, donc c'est plutôt vers ici, vers 3950, que je vous ai dit que je rachetais tous les bitcoins que j'avais sortis là, d'accord, sous cette résistance-là. Car ici, on avait terminé un cycle en 3, 1, 2, 3, vous voyez, pour le 1. Un, deux, trois, d'accord. On a corrigé ça. Et là, on avait initié le départ du nouveau cycle. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Voilà, c'est la différence entre
comprendre un marché, les cycles d'un marché, et tracer une droite et dire ça passera pas à la droite. Voilà. Alors ça peut marcher la première fois. Oui, souvent les vagues 1 vont chercher la résistance qui a été créée avant. C'est ce qu'on a eu là avec un fake, comme on dit, qui est en fait un flat. Hein. Et on est venu se positionner dessous, on a respiré et derrière, on a tout enfoncé à la hausse. Donc là maintenant la question c'est est-ce que tout est fini? Et on a bien ABC rouge, un ABC couleur caca là, ou pas. Bah, le fait qu'on vienne chercher un point 618, c'est pas très bon signe pour le ABC. Hein. Alors j'attends énormément de voir dans les heures qui suivent ce qui va se passer, même s'il devrait plus se passer grand-chose. Maintenant, on devrait mourir pour une 4, voir si on pousse pour faire un 5. Si on pousse pour faire une 5 et qu'on casse un point 618, moi je reste du dogme qui dit que on ne casse pas des 1.618 d'extension dans des vagues correctives. Voilà. Donc là, on est venu bien sûr mourir pile dessus. Ça, c'est ce que je vous expliquais sur le Discord. Hein. Oui, bah, d'ailleurs, je finis ma phrase, que tous ceux qui vous disaient ça, c'est une zone de short de BTC, c'était n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, chacun sa vision du truc, mais c'était plus une zone de short, c'était une zone de short ici, ça n'était absolument plus une zone de short ici, et que maintenant, la zone de short, elle était entre 4900 et 5002, donc ici en fait, hein. D'accord? C'est cette zone-là, et que c'est ici qu'on va trouver les gros vendeurs. D'accord? Les bots d'institutionnels, machin, ils tradent les extensions entre 1 et 1.6. Hein. Ils s'amusent pas à trader ici. Hein. D'accord? Oui, ils tradent sur du 15 minutes. Mais ils s'amusent pas à vendre ça. Pas quand on est dans un cycle haussier qui a été initié. Par contre, là, on va les trouver. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Vous voyez, on est passé de 5100 à 4007. D'accord? Donc on a fait un gros drop déjà. Pourquoi? Mais parce qu'on a trouvé déjà énormément de TP, dont je fais partie, hein, que je vous ai annoncé ce matin sur le Discord. Hein. Dès qu'on a passé 4300, j'ai commencé à TP jusqu'ici, 1.618. Et donc là, j'attends, j'en garde un peu, mais là, j'attends énormément de voir ce qui va se passer. Si on échoue complètement et qu'on s'écroule, bah, malheureusement, on a fait une vague 4, et puis c'est fini. Et c'est fini pour Bitcoin, c'est-à-dire que ça, c'était uniquement une grande correction et que derrière, on va chercher beaucoup plus bas. Enfin, beaucoup plus bas. On va chercher plus bas en tout cas. Donc là, il faut surtout pas acheter du Bitcoin maintenant. Hein. C'est une énorme connerie. Si vous avez rien acheté, Ethereum a l'air un poil mieux en mettant le stop loss sous ça, à 138. Et car lui, il n'est toujours pas venu chercher cette zone-là, hein, qui est exactement la même zone que pour Bitcoin, quand on rapporte en extension. Et on a fait la même chose, les cases noires que vous voyez, hop, que je vais mettre en rouge pour qu'on les voit mieux, c'est les zones avec les niveaux clés identifiés par MarketReader, l'algorithme pour des zones qui devraient faire effet comme résistance. Vous voyez qu'il y a de la marge dessus. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est que à l'heure actuelle, je cherche des sorties sur les cryptos et pas des entrées. On arrive sur des zones, vous voyez pareil là, hein, Litecoin il arrive sur la zone rouge, bon, il est venu la toucher pour sortir. Bien sûr que j'ai des comptes ultra bull qui poussent, vous voyez, beaucoup plus haut sur le Litecoin. Mais on est dans la phase de sécurisation des gains, hein, c'est ce que je vous explique, que j'essaie de vous expliquer régulièrement la stratégie. Hein, on achète quand tout le monde dit qu'il faut vendre. Hein. Donc moi j'avais acheté cette zone-là hein, sur Litecoin. Et bien maintenant, je suis en train de revendre depuis cette zone-là. Hein. Voilà. C'est une grosse zone là où je vends quand on fait des pics régulièrement. Alors en 15 minutes, des fois, je rachète un petit peu les pullbacks, mais on est dans la zone où moi je cherche plutôt à sortir. Après, si on continue de pousser, je rentrerai sur des plus petites unités de temps, mais on n'est plus sur des zones, moi je trouve, d'entrée pour du trading. Hein. Les entrées, elles étaient là. Et là, on est sur toute une phase de prise de profit. Ce que devraient faire aussi les plus gros portefeuilles, à mon avis, hein, qui pèsent sur le marché. Ce qui devrait aboutir quand même à un retracement. Surtout qu'on arrive sur des zones, notamment sur Bitcoin, un peu charnières. Où si moi j'avais un énorme portefeuille, j'aurais shorté sa race dans cette zone-là. Oups, pardon. Dans cette zone ici, hein, ce qui s'est passé, en laissant redescendre le prix, redescendre, 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 ce qui va donner confiance à tous les shorts, et arriver avant l'invalidation ici, j'aurai tout TP et racheté pour aller enfoncer tout vers le haut. Ça, c'est l'ultime requête, mais bon, malheureusement, j'ai pas le portefeuille pour faire ça. Voilà, donc la leçon du jour, c'est la patience. La patience, ça fait un moment, hein. Regardez, depuis le 8 février 2019, hein, où en vidéo, je vous avais dit que on était sur la zone de rachat du Bitcoin,
D'accord, sur cette zone-là, là. Et on arrive sur la target le 2 avril. Hein. Donc ça fait un grand moment qu'on est dessus. Mais la patience paye. Il ne faut pas changer d'avis en cours de route. Il faut étudier les cycles et les voir se former et se dérouler. Et trader dans le sens des cycles. C'est ça qui est très important. Voilà, donc on n'est pas sur des zones de rachat. Pas du tout. On était sur des zones de TP dans la case rouge. J'espère que vous avez eu le temps de vous lever. Je vous ai tagué sur Discord. Hein. Donc j'espère que vous avez eu le temps. Et là, vous voyez, on est déjà à 4700, hein, donc on fait une grosse mèche. Donc maintenant, j'attends que Ethereum fasse la même chose, par contre, hein, aille tout écraser pour aller ici. Ces deux zones rouges sont clairement deux grosses zones de TP pour moi. Pareil, hein, les achats, ils ont été faits entre 100 et 85 dollars, hein, sur Ethereum. Donc ça fait plusieurs trades, hein, parce que ça a été découpé en pleine fois. On avait racheté ici, quasiment en live sur YouTube, hein, vers les 100 dollars. Voilà. Donc, ben, jolie journée sur les cryptos, mais qui a à fond arrivé sur des niveaux en fait où tout pourrait se retourner. Donc surtout ne pas FOMO, ne pas acheter tout là maintenant. Surtout pas du Bitcoin, ok? C'est trop tard. C'est trop tard. C'est ce que je vous disais. Hein, les cryptos ne laissent pas de pullback. Hein. Quand elles y vont, elles y vont. Donc il faut avoir la foi d'acheter sur les retracements et tenir sur les montées comme ça. Là, on a fait une belle diagonale. Hein. Voilà. Mais écoutez, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Bonne journée à tous. On peut juste parler vite fait du Néo. Voilà, Néo qui va arriver, qui a touché à peine la target. Alors, j'ai pas eu le temps de le TP. J'avais visé un peu plus haut, je vous avoue. Donc Néo, hein, c'est pareil. La case rouge, c'est la case violette. Pourquoi les violettes d'ailleurs? La case rouge, c'est une zone de TP. On a qui d'autre? XMR, ben, il est venu dans la zone, hein, pareil. D'accord, il est venu dans la zone de TP si on prolonge la case rouge. Voilà, donc lui il a été fait en order limit. XRP, XRP il s'est enfin bougé le cul donc il a fait une grosse méchasse. Donc lui vous voyez, hein, je suis dedans depuis ici et j'attends. Voilà, j'attends, j'attends. Sachant que lui par contre, je suis un petit peu plus ambitieux. Lui je le garde pendant un grand moment et je ne TP rien du tout avant, avant. Ouais, j'avais fait comme ça. Hop, je ne TP rien du tout avant 0,66 et 0,9. D'accord? C'est vraiment ma grosse zone de TP. Et sachant que je pourrais voir aussi plus haut. Il y a juste cette mèche qui m'embête là. Je sais pas si, comment en tenir compte, mais voilà. Donc lui, je le garde. Hein, je m'en fous s'il vient me stop loss. Lui, je le veux ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? EOS, il arrive sur target 4,8. EOS. Ah ben c'est bon, il est venu dedans, parfait. 5. Il est venu toucher 5, donc c'est parfait. Ben c'est parfait. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, Ada. Vous voyez, hop, la même chose. Regardez, Ada, il est venu casser 1,618 de l'extension de cette vague-là. Ok. Hop, ce qui fait qu'à mon avis, on peut mettre un 3 ici. Et donc, on va faire un peu de ménage. Bon, là, il fallait juste pousser tout ça vers le haut. Vous voyez, pareil, Ada, hein, rachat case verte ici. Hop. Ok, donc il est venu casser 1,618. Donc on a probablement fait une vague 3. Il diverge énormément, Ada. C'est toujours très bizarre, ce coin. Bon, pas en daily. Hein. En daily, il est vraiment toujours en train de faire un plus haut. Donc potentiellement qu'on est dans une vague 3, hein, sur les cryptos. Une vague 3 daily, hein, c'est-à-dire le RSI, regardez. Alors, attendez. Hop. Ça, c'est pas encore. Ça ressemble bien à une vague 3. Vous voyez quelque chose qui arrache bien comme il faut là. Il part bien vers le haut. Qui fait un plus haut RSI. Donc, ben, Ada, on continue de pousser le compte vers le haut, hein, sans souci. Donc là, la mèche d'aujourd'hui va probablement constituer une 3 et une 4. Et donc après, ça va repousser probablement pour faire une divergence. Si on fait cette montée-là comme ça, avec une divergence, c'est très bon signe. Je rachèterai les pullbacks pour viser beaucoup plus haut. D'accord? Après, on refait la même chose. On visera l'extension de tout ça. D'accord? Hop, pardon. On fera la même chose. C'est-à-dire, on prendra la montée. Admettons que bah, la montée s'arrête ici. Hein. On reportera au plus bas et on refera pareil. Avec des zones de TP qui seront comme ça, par exemple. C'est un exemple, le chiffre est au pif, mais voilà, on refera exactement la même chose.
Là, quoi qu'il en soit, je vous le redis, on est sur des zones de prise de profit et pas sur des zones d'entrée. D'accord? Soyez pas le trader particulier lambda qui va acheter le top pendant que tout le monde essaie de sortir. Okay, que tous les plus gros essaient de sortir. Là, vous voyez bien la mèche, là, c'est tous les plus gros qui sortent exactement sur cette zone. Il n'y a pas de secret, hein. Là, dès qu'on a cassé un point 618, vous avez vu, incapable de clôturer au-dessus. Pourquoi? Tous les ordres de vente étaient là. Okay. Ventes qui peuvent être des TP, hein, mais les ordres de vente, eux, étaient là en tout cas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant. Est-ce qu'on a fait juste ABC, même si normalement, si on casse un point 618, bah, ça invalide. Hein. Et on écrase tout vers le bas derrière ou pas. Voilà, donc à surveiller dans les jours qui viennent. Si on recrée un début de séquence haussière sur du 1 heure, ben, il faudra acheter les pullbacks hein, pour viser des targets en fonction du bottom de la vague 4. Voilà, bonne journée à tous.